C'est quoi ça? C'est la nourriture. La nourriture de qui? La nourriture est pour aussi pour moi. D'accord. Et là, il y a quoi? C'est quoi là? C'est des fruits? Oui. C'est quoi et quoi? La pomme, la mûre, la pastèque et la fraise. Et la fraise, d'accord. Waouh! Ça, c'est le dessert. Tu me sers ça en dessert? Non, c'est la nourriture. Je vais partir préparer le dessert. Tu vas préparer le dessert? Donc, ça, c'est quoi? Je prends ça comme une entrée ou quoi? Tu peux prendre comme une entrée ou comme tu veux? Comme je veux? Oui. D'accord. Pendant que moi, je vais apporter le dessert. Mais je veux couper ça comment, bébé? Si tu vas me couper ça. Attends. Là, c'est quoi, là? L'orange, là, c'est la pomme. Mais goûte avec moi d'abord, bébé, s'il te plaît. Mais c'est un peu acide, bébé. C'est un peu acide. T'as acheté ça où? Un peu d'orange, un peu de jus d'orange. T'as acheté ça où? T'as acheté les fruits où? Au marché. Ah bon? T'as acheté ça quand? Aujourd'hui. T'as acheté ça pour qui, bébé? Pour pas. Oh, un peu de pastèque, hein? Mais elle est bien sucrée, hein? Waouh! Tu vas encore m'en acheter demain? Oui. Waouh! Merci, bébé. Attends, ton bébé est tombé. Là, tu vas où? Je vais pas chercher le dessert. Le dessert? Oui. Je vais prendre quelques fruits pour faire un dessert. C'est bon, ça va? Et entre temps, je fais comment? Tu continues à manger. Je continue à manger? D'accord. Vraiment. Je suis en train de travailler. Et si elle t'invite, tu ne viens pas, c'est la guerre. Donc pour la paix. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle il ne verra le Seigneur. Donc je suis obligé de la combler pour qu'elle ne se sente pas triste. De temps en temps, elle pleure seule. Maman me manque, maman me manque. Donc, pour éviter ces moments de tristesse, je suis obligé d'avoir ce temps pour elle. Voilà. Là, c'est quoi? Le dessert. Mon dessert? Oui. Tu as fini? Oui. J'ai fini de manger tous les fruits, mais est-ce que je peux goûter le dessert maintenant? Oui. Hein, bébé? C'est un bon ananas. Ça, c'est quoi ça ici? C'est l'ananas? C'est quoi, bébé? C'est l'orange. L'orange. Oh, les pieds. Cache tes pieds, bébé. Cache ça. Oh, hein. Prends aussi. Merci. C'est trop bon. Je donne un bon chien à tes enfants. Hein. C'est tes enfants, papa. Ah, mes petits-enfants? Oui. La oui, il dormait, hein, bébé. Allucine. Trottinette. Donc, de la qui? Laurence. Laurence. Ici. How long? Oui, how long? Voilà. Merci, bébé. Ah, c'est trop bon, hein. Je te dis merci. T'es trop gentil. Tu prends bien soin de ton père. Quand tu vas grandir, tu vas toujours prendre soin de moi, bébé. Hein? Tu vas se voir. J'ai mis ta pomme. Quand tu vas grandir, tu vas prendre soin de papa comme ça toujours. Tu vas me préparer à manger, hein? Je goûte un peu ta pomme. On a pas goûté le raisin? Oui. C'est trop bon, hein, bébé.
Voilà. C'est bon? Oui. Est-ce que on peut... Oh, des petits-enfants. Oh, ouais. Bisous. Oui, bisous. Mais t'as fait bisous à trottinette seulement? Ah. Ok. Ok, un peu. D'accord. Je vous aime, bébé. Je vous aime tellement, vous êtes tout mignon. Oh, vous êtes bon. Voilà. C'est bon, maman. Oh, c'est trop bon. Là, t'as suivi tes enfants, ils ont dit c'est bon, maman. Maman Jamie, moi. D'accord. On est rassasié, hein, bébé. D'accord. Est-ce que maintenant on peut débarrasser la table et papa va continuer à travailler? Hein, bébé? Tu vas manger tout. J'ai tout mangé, bébé. J'ai mangé tout, en fait. On peut te faire un jus de cocktail. Hein? On peut te faire un cocktail. Un cocktail de fruits? Oui. D'accord. Ok. Va chercher le verre. D'accord, bébé. Ok. Donc, ça, c'est... Jamima. Faut la satisfaire absolument. C'est pour qu'elle puisse être équilibrée, en fait. Là, ça fait qu'elle ne ressent pas trop l'absence de sa maman. Et, vous savez, les enfants se développent avec d'autres enfants. Mais quand il n'y a pas d'autres enfants dans l'environnement, parfois, nos parents, c'est important de laisser nos occupations, d'oublier parfois nos occupations pour faire des préoccupations de nos enfants, notre priorité. C'est important d'en faire priorité. Waouh! D'accord. Et là, c'est quoi? C'est un beau cocktail. D'accord. Tiens. Et c'est frais en plus, bébé. Oui. C'est sucré comme si on avait mis du sucre. Est-ce que t'as mis du sucre dedans? Hein? Attends, je vais chercher un autre verre aussi. Nous deux. D'accord, d'accord. Vous savez, pour elle, elle est dans une réalité. Donc, elle, c'est réel. C'est nous qui laisserons avec la maturité, comprenant que, en fait, c'est pas un monde, c'est un monde imaginaire dans tous les cas. Donc, il faut entrer dans ce monde et partager la réalité de ce monde avec elle, partager ces moments qui, pour elle, sont intenses. Voilà. Alors, est-ce que tu as le verre? Oui. D'accord. Mais laisse-moi te servir. Est-ce que tu m'as servi? Je peux te dire. Hein? Ok. Là. Voilà. Parfait. Alors, à notre santé. À la santé de tous mes petits-fils hein, et mes petites filles. Hein? Ça, c'est trop bon, bébé. Oui. Oh là là. Ton petit ventre, il sort même, hein, bébé. Waouh, ça, c'est bien. Moi, j'ai fini. Je vois encore des fruits. Ah, d'accord. J'ai fini, bébé. Toi, t'as pas fini. Waouh! On dépose les verres. D'accord. On peut débarrasser la table maintenant, bébé. Oui. Tu débarrasses d'abord les fruits, c'est ça? Tiens, tiens, tiens ton plateau comme ça de deux côtés. D'accord, vas-y. Après, tu viens débarrasser le verre. Ok. Tu marches doucement pour ne pas verser. Là. Oui. Vas-y. Tu fais vite, papa va continuer avec ses occupations. Hein, bébé? Oui. C'est bon? Tu viens débarrasser les verres? D'accord, viens de passer le verre d'abord, bébé. Et tu as pas le mouchoir pour nettoyer la table, hein, bébé? Oui, maman, je vais le nettoyer. Viens, prends d'abord le verre. Tu prends d'abord le verre, bébé. Regarde, les fruits sont pas encore à la cuisine. Mais enlève aussi le verre en même temps, tu le mets ensemble à la cuisine, bébé, tu vois. Doucement. Aïe, aïe, aïe. Papa? Oui? Vidéo. Hein? On n'arrête pas la vidéo. D'accord, on n'arrête pas la vidéo. Okay. Et tu apportes d'abord le mouchoir pour nettoyer la table, mon amour. Ok.
D'accord. J'ai compris. Oui. Oh, c'est lourd. Je suis en train de travailler. Et j'ai été interrompu dans le travail et je suis obligé de rester jusqu'à la fin. Alors, tu nettoies pas la table? S'il vous plaît, trouvez le mouchoir, maman Jemima. S'il vous plaît, faites vite le mouchoir. Maintenant, vas-y, le docteur. Tu nettoies la table d'abord. Bébé? Oui. Tu sais, je suis papa en train de travailler. Je vais finir le travail et après on joue au docteur. Ah, puis maintenant je joue au docteur. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en prie, Je t'en prie, bébé, je finis le travail, je reviens. On joue au docteur et à l'infirmière si tu veux. On joue aux patients, aux malades. On joue à tout ce que tu veux. Hein, bébé? Mais tiens, le jeu maintenant, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, bébé. Je te promets, promis, bébé. Je veux qu'on joue ça. À ça maintenant. S'il te plaît, promis, bébé. Mais tu veux qu'on joue à ça maintenant. Dis-moi, je finis le travail et je viens en jour. Oh. Mais tu veux qu'on joue à ça maintenant. Parce que si on joue maintenant, comme papa est en train de travailler, papa ne sera pas concentré, bébé. Est-ce que tu comprends? Mais si j'ai fini vite mon travail, je viens, je me concentre. Hein, bébé? Viens, viens, mon amour. Moi, avec un jeu, ça maintenant. On n'arrête pas la vidéo. On va jouer au docteur. Mais l'infirmière, c'est toi le patient. Moi, je suis le patient. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut jouer rapidement et papa va travailler, bébé? D'accord. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je suis les autres patients. D'accord, oui. C'est plus tes bébés, là? Si, c'est mes bébés, mais mes bébés sont aussi malades. Ils sont malades? Oui. D'accord. L'infirmière nettoie l'hôpital. D'accord. Froid. J'ai des frissons et j'ai froid. C'est comme la fièvre. Ok. Tu as beaucoup de fièvre. D'accord. Oh, la température elle baisse. La température elle a baissé, docteur. Oh, je suis content. Quand tu as encore mal, vous venez à l'hôpital. D'accord, merci, docteur. Oh, docteur, merci de m'avoir diagnostiqué, de m'avoir soigné. Je reviendrai prochainement quand je serai encore malade, hein, docteur? Oui. Merci, mon docteur. Est-ce que je peux vous saluer, docteur? Oui. Merci, mon docteur. Avec la main droite, docteur. Prochainement, docteur. Oui. Oh, Dieu, merci. Voilà, Dieu.